raconter une histoire et comment on peut dessiner. Et après, on va essayer de dessiner ensemble aussi. D'accord ? Vous aimez les fruits ? Oui. Okay, donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre. Voilà, ça s'appelle Les fruits du soleil. Donc, c'est des fruits qui poussent dans tous les pays où il y a le soleil. Donc, si c'est chaud, quels sont les fruits qu'on trouve sur la nature ? De l'ananas. La mangue. Okay, c'est très bien. En fait, ils sont les fruits qui viennent du pays du soleil. Ça, c'est quoi ? La mangue. C'est bon, la mangue. Vous aimez ça ? Oui. Moi aussi, j'aime ça. J'aime bien la mangue. Je sais quand on en mange, ça fait du bien. C'est super. Ça donne beaucoup d'appétit. Et où pousse le mangue? On appelle là où pousse le mangue. Un manguier. Très bien. Donc c'est sur un manguier qu'on peut trouver. C'est le moment de rêver de manger un chafoutier. Okay? Et comme vous n'avez pas un chafoutier, il demande à son mari d'aller dans la forêt, aller lui trouver un chafoutier. Qu'est-ce que tu as dessiné encore? Une fleur. Une fleur. Et qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? La idée d'histoire. Ok. Et qu'est-ce que tu as aimé dans l'idée d'histoire? La partie où... comment ça s'appelle? Maïs s'est excusé. Et pourquoi Maïs s'est excusé? Parce qu'il avait fait une bêtise. Il a rempli sa promesse. Quand on remet sa promesse, il faut demander des excuses, c'est ça. Et toi, quand tu fais des bêtises, tu demandes aussi des excuses. Oui. C'est bien. Et comment tu t'appelles? Jemima. Jemima. C'est joli ton dessin. Merci. Bekatina motema, acheli lo banaye, bekatina motema, Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez aimé aujourd'hui? J'ai aimé dans la première histoire, ce que j'ai aimé, c'est quand elle est partie, elle a attrapé des poissons. Et toi? Quand mamie m'a allé à donner coquillage, elle s'est transformée en hippopotame. D'accord. Et ensuite,
Pas venu manger son caca. Qu'est-ce que tu as aimé dans l'histoire? Il n'a pas trop assez. D'accord. Donc on va faire un petit exercice encore. On va regarder vos dessins. Quel est l'aliment qui a mangé les papas des... Les papas des... Quel est l'aliment qui a mangé les papas des... Et on va découvrir. Ça c'est Lucia. C'est les serpents. Vous êtes d'accord avec elle? Oui. Oui, Lucia. Où est-ce qu'elle est? Là, Lucia. Pour son dessin, tu vas le garder. Qui a dessiné? Qui a dessiné ça? On l'applaudit, Yassir. C'est un exercice. Vous puissiez savoir quels sont les animaux qui sont dangereux dans la forêt. Tu peux manger, avaler les papas de quelqu'un. Il y a aussi des plantes carnivores avec qui vous pouvez peut-être marcher sur une plante et puis après. Et vous, la question. C'est quoi la question? Oui. Pourquoi sur votre dessin là? C'est ton imagination qui va compléter la suite. Tu aurais vu une chaise. Ce sera la médiathèque. Quand vous venez à la médiathèque. Vous demandez à Estelle, je vais vous montrer les chemins. Terminer les histoires et puis raconter-les en dessinant. Ça sera bien, ça sera intéressant pour vous pour développer votre créativité. Ce sont des belles histoires. Même si c'est imaginaire, on croit que c'est une vraie histoire. Et je pense que c'est ce que les enfants aiment le plus. Et ils aiment le dessin. Et ce que vous faites, c'est très bon. Vous faites du bon boulot. Je disais à Léon tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose que vous avez appris, mais plutôt un don. Un don. Merci. Et la rencontre avec les enfants, tu penses qu'ils ont bien réagi, ils ont bien compris? Oui, ils ont compris. Avec les dessins plus l'histoire, les enfants comprennent mieux. Mais quand c'est des histoires sans les dessins, c'est un peu difficile. Mais les deux ensemble, pourquoi vous saisir? Merci. Je suis Béatrice Lalino maintenant. Je suis écrivaine jeunesse. J'écris pour les enfants, j'écris des beaux livres aussi, sous forme de documentaires. Et j'ai été amenée à fonder la maison d'édition Ruisseau d'Afrique. Et je préside l'association des auteurs, illustrateurs, membres de la chaîne du livre, en tout cas, qui s'appelle Semaine du livre béninois de jeunesse. À la base, on animait chaque année une semaine du livre béninois de jeunesse. Et ça s'appelait comme ça. Et c'est devenu une association. Et cette activité qui était que dans les bibliothèques, est devenue une activité plus extérieure maintenant. C'est toujours la même animation, mais qui a pris une plus grande dimension, avec les trois dimensions dont j'ai parlé. Animation avec les enfants, animation avec les jeunes professionnels potentiels qui vont se fructifier demain, expo-vente sous forme de salon, et puis maintenant un prix pour stimuler les acteurs de demain. D'autres mots et d'autres expressions. Ah, lui veut lire pour avoir beaucoup de mots et expressions. Un grand mot.
même chose que ce qu'il vient de dire. Dis autre chose. Vas-y. Elle veut lire pour bien parler le français. Un grand bon pour elle. On te voit ici au Bénin, à Cotonou. On se demande qu'est-ce que tu es venu faire ici au Bénin, à Cotonou. Je suis venue dans le cadre du Salon du Livre de la Jeunesse, organisé à l'initiative des éditions Ruisseaux d'Afrique, porté depuis plus de 20 ans par Béatrice Badeau. Et je viens participer à cet événement en tant qu'auteur, invitée à des panels de réflexion professionnelle sur le livre de jeunesse. Ses atouts aujourd'hui, son actualité, ses difficultés. Et quel message tu envoies à ces jeunes publics qui sont arrivés, les enfants, les parents, les jeunes, les écoles? Les enfants pour moi, c'est une promesse. C'est la promesse que le livre a encore de beaux jours devant lui. Quand on voit l'appétit que les enfants peuvent avoir pour la jeunesse, on comprend que tous les discours sur les jeunes Africains qui n'aimeraient pas par nature la lecture sont faux. Je pense qu'il suffit d'environner les enfants de livres pour qu'ils se sentent heureux, qu'ils trouvent auprès des livres des reflets d'eux-mêmes, un réconfort pour eux-mêmes et de l'ouverture pour eux-mêmes. Donc le message pour moi, c'est vraiment que tant qu'il y aura des enfants, c'est-à-dire toujours, il faudra des livres. Et je pense que les livres sont là pour être leurs copains, leurs amis, voire leurs meilleurs amis. Merci beaucoup. Maintenant, parmi toutes ces histoires-là, qui est capable de me faire la liste des animaux dont on a parlé dans chaque histoire? Non, c'est seulement avant. Tout le monde a fait petit sec. Tout le monde a fait petit sec. Oui. Maintenant, on va s'en jouer quoi? Marie-Anne.